essayé de sauver le Monstera, le Raffido, Foa, Tetrasperma qu'on a vu dans les deux dernières vidéos. J'ai commencé. J'ai mis certaines tiges en eau. En fait, tout était en train de pourrir. C'était vraiment noir, tout mou. Les tiges étaient vraiment très très molles. Pour les deux plantes d'ailleurs. Donc ce que j'ai fait, ce qui était encore sauvable, j'ai mis en eau. Je sais pas si vous voyez là, j'ai mis un peu de cire au bout des tiges pour éviter que ça pourrisse. Ça pourrisse en eau. Ça j'avais vu, j'ai vu plein de choses comme ça. J'ai vu la cannelle, j'ai vu la cire. Donc j'ai testé ça hier parce que j'avais une bougie allumée. Au niveau du raffido, hop. Donc j'ai coupé, hop. Au niveau d'un nœud, donc pareil, la cire. Ici aussi, donc vous voyez en nœud, hein, c'est ça quoi. Hop. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, donc ça c'est fait, on va attendre de voir si ça racine. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est essayer de sauver aussi tous les petits tronçons. On va mettre en serre, en sphène. Hop, je mets ça. Voilà. Donc pareil, j'ai mis de la cire au bout pour éviter que ça pourrisse. Donc ça, j'ai 3 tronçons de Monstera. J'ai une, 2, 3, 4, 5, 6 de raffido, donc des plus ou moins gros. Je sais pas du tout ce que ça va donner, on voit qu'il y a des nœuds. On va essayer de les faire raciner du mieux qu'on peut. Je les ai coupés hier soir, je les ai laissés sécher cette nuit parce que... comme c'était en train de pourrir, il valait mieux que ça sèche, que ce soit tout mou, parce que ça va se servir à rien. Bon, il est encore un peu mou, je sais pas trop s'ils vont prendre du coup. On verra. Donc j'ai préparé de la sphaigne, donc je vais la mouiller hein, pour qu'elle prenne l'eau. Et puis on va tout mettre dans les pots. J'ai fait un tronçon par pot. Et on va voir sa racine, ça va prendre du temps, mais si ça marche, j'aurai au moins réussi à sauver tout ça. C'est parti! Vous voyez, on met de la sphène dans le pot. En fait, il y a juste à poser le tronçon dessus. Tout simplement. Donc, je vais faire ça avec tous les pots. Thank you.
plus près. Hop. Donc on essaie bien quand même la saignant. Pour éviter que ce soit trop humide. Et hop. Donc le but c'est de faire un effet de serre. Donc on met tous les tronçons ensemble dans une petite serre qu'on va bien fermer pour que, la semaine reste humide le plus possible et puis favoriser la formation de racines. Donc tout est en place. Un petit update dans quelques mois, ça pourrait être pas mal en espérant qu'il y ait des surprises quoi. Ça serait vraiment cool que ça reparte parce que ça me fait vraiment mal au cœur de voir ça. Mais bon, c'est la vie. On va essayer de les sauver. Surtout n'achetez pas de plantes en hiver. Ne faites pas comme moi. Après c'est la misère. Non, vraiment, c'est pas bien du tout parce que... Voilà, pourri, quoi. Enfin, voilà. Donc, j'espère vous faire un update positif d'ici quelques mois. En attendant, on va les laisser tranquillement en serre, bien humide. Puis on verra.